Comment? Voilà, donc bienvenue dans ce troisième épisode des Duplos Junior Senior. Des Duplos Senior. Aujourd'hui, on monte le septième paquet du premier paquet, non, du premier gros colis du Titanic. Pop, pop, pop. Je vais couper ça. Ça. Non. Et je vais faire la rediff. Projecteur plein écran. Là-bas. Hop, nickel chrome. Et puis bah on est parti. Il semblerait que les Lego Builders se mettent en créateur et artisanat et mettent des hashtags type Lego ou Brick Building. Ouh, il faudra que je regarde ça là. Alors. Par contre, dès que je mets un peu de lumière, il fait chaud. Hein. Pop, 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 pop. C'est quelle page? C'est la page 142. On a quasiment fini le bouquin! Alors. Est-ce que la caméra est bien? Elle m'a l'air tordue, la caméra. J'ai dû faire le... Oh, pardon. Ah. Voilà. Donc, on a déjà construit cette partie-là. Avec l'avant. Plus le pont des cabestans. On met ça de côté. Et là, on est en train de faire la partie qui est derrière avec la coupe, avec les chaudières et ici le grand escalier. Avec ici aussi la petite piscine. L'échelle, c'est un 2 centième. Synchronisation avec le PDF, ok. Alors, on en est au numéro 189. On va redresser les manches. Donc, il faut... une grande petite plaque blanche ou une petite plaque grise. Oh, comment ils font installer ça? Mais ils sont fous, ces gars-là. 190. Bah 190, c'est à côté. Il faut une petite plaque de 8 sur 2 noir et une petite plaque beige de 8. Et donc on vient mettre ça ici et ça ici. 191. Bah c'est juste en dessous. Encore une petite plaque de 1. Ah. Une plaque et un petit bitonio. Deux petits bitonio blancs ronds. Et alors on installe ça comment? Ici. Et ici. 192. Alors, une grosse brébrique grise. Deux petites briquettes percées.
d'une croix. Trois pièces en T avec un retour vertical. On les aime ces pièces avec des retours verticaux. Ça annonce des dalles. Et puis la même en noir. Allez, pas oui, si, la même en noir. Ok. Alors, comment ça marche? On s'installe la noire ici. Une Bordeaux, une autre Bordeaux et une Beaujolais. Non. Je me suis égaré, excusez-moi. Et on installe ces deux-là, côte à côte, derrière le dernier et donc à cheval. Et la petite brique, eh ben elle va là. Hop. 193, c'est le truc qui est en dessous avec juste une petite plaquette de 2 sur 3. Elle vient se mettre ici. 194. Oh, ça sent le bâbord et le tribord cette histoire. Une petite comme ça et une spéciale comme ça et un bitonio blanc. Viens là, petit bitonio blanc. Hop. Ça annonce des dalles, c'est quoi un labyrinthe? Il faudrait qu'il fasse faire un 180 à sa capture. Alors, on place la jaune ici et celle-là comme ça. Cent quatre-vingt-quinze. Une plaquette de 3. Une plaquette. Ah, j'ai oublié le petit bitonio sur la 194. Ah, il va là. Ok. Donc, un truc en arrondi de 1. Ça doit être des pièces spéciales, spécifiques. 3 plaquettes de 2 sur 3. On va appeler ça des dalles. Et puis un petit carré de 1 sur 1 rouge. Donc, là, on installe le noir ici, le 3 ici. Ah, je me demande si ça va pas faire le fond, ça. Avec ce petit truc-là, là. Et là, ça vient en bout et. Coup, faut le mettre. Voilà. Ah non, c'est un côté. Ça va venir se mettre. Ça s'accroche ici et ici. Alors attendez, je vais le mettre à plat. Oh, c'est bien fichu. Du coup, ça fait super lisse. Vous voyez bien l'arrondi là? Oh là 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 là. Bon, c'était la partie bâbord. Il va falloir faire la partie tribord. Ah ben non. Donc ça, c'était le montage 196. Hop, 197. Donc on est parti pour faire la suite. Et je pense que de l'autre côté, il faudra le faire après. Mais une fois qu'on a fait un truc une fois, on le fait toujours plus vite la deuxième fois. Alors, une plaque noire arrondie. Une plaque, une truelle. Non.
Non, on va pas appeler ça une truelle, on va appeler ça quoi? Un petit panier gris à fruits avec des petits picots en dessous. Il en faut deux. Tac. Deux jaunes de 6. Deux rouges recourbés. Une beige. Deux bleus. Oh, c'est marrant, il en reste deux de bleus. Et puis deux petites bleues. On met la bleue sur la grise. Et ça fait le 197 numéro 1. On rajoute celle-là ici. Ça fait le 2. On rajoute 1, 2, 3. J'échoue. Avec la chale, avec le l'halogène que j'ai mis. Pop, 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 pop. Salut Dame Dodo. Tiens, on légote. Ouais. Il vaut mieux légoter que duploter. Des jaunes de 6, de 6 petits tenons. Pas de 6 centilitres, J1. On diplote pour vieux. Numéro 4, on le retourne. On pose un bleu. Ah, on pose un petit bleu. Attends. On a dû faire une bêtise. Ah! J1, t'as fait de bêtise. Fallait les quinconcer. Ah vache, une fois qu'ils sont mis. Il fallait les quinconcer. Voyou. Ah! C'est là que c'est bien d'avoir un petit peu d'ongles. Tac. Faut les mettre en quinconce. Voilà. On le retourne. Côté noir, on met un petit bleu ici. Ensuite, on met un grand bleu ici. Le jaune ici. Un petit bleu. Pas trop où. Me dis pas que ces trucs-là, ça va être accroché dans. Ah si, sur ceux du côté là. Sur les petites pinces. Ici là. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Et voilà, 140, page 146, la fin du 197. On vient accrocher. Et donc ça vient dans ces petites pinces ici et ici. Oh là 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 là. Pop, 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 pop. Et c'est reparti pour un autre morceau. Donc le 198, on part sur une grande blanche et une grise de 8. Et hop. En fait, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va pas aller trop vite parce que le dernier coup où on a refait une pièce tribord après avoir fait une pièce bâbord, eh ben on s'était trompé. On attaque le 200 et deux petits bitonio blancs. Plac, plac.
201. Il faut une brique grise, deux briquettes percées d'une croix, un T noir et trois T rouges. Hop. C'est bon. Alors, le noir, on le met là. Le rouge, on le met là. Le rouge, on le met là. Le rouge, on le met là. Hop. 202. Petite pièce comme ça qu'on vient mettre ici. 203. Tac, tac. Et un petit bitonio blanc. Oula. Il est là. Alors, le petit bitonio blanc, on le met là. Le noir, il vient comme ça. Et le petit jaune, enfin le petit beige, il vient là. 204. Et ben, trois plaques rouges de 2 sur 3. Un petit comme ça. Un petit une triplette, elle est là. Un petit carré de 2 sur 2, hop, et un petit bitonio rouge de 1 sur 1. On a tout ce qu'il faut, chef? Oui, chef. Et 205, on le monte de l'autre côté. Il est, les petits personnages ne rentrent pas dedans, Dabdodo. Il est à l'échelle 1/200. Donc en fait, quand tu regardes ici, tu as un pont ici, il fait la largeur d'une brique comme ça. Donc un pont fait une brique. Donc c'est trop petit pour les personnages classiques. Donc lui, on vient le mettre côté tribord. Donc pareil, on l'accroche ici. Donc on a comme ça le fond des deux côtés. Donc 206, on attaque l'autre en 5 parties. Donc du bleu. Là on pulse, hein. On redonne pas d'explication. En plus on s'est déjà trompé une fois, on sait ce qu'il faut pas refaire. Tac. Et c'est là que paf, on recommet deux fois la même erreur. Non, pas ça! Un petit bleu ici. Le bleu ici. Un jaune. Le petit panier. C'est un petit panier pour aller chercher les roses. Je sais pas si ça porte un nom, c'est pour ces paniers là. Il manque un. Ah, je l'ai mis de traviole. Et hop!
Voilà. Voilà, on vient de faire ça. Donc maintenant, on attaque quelque chose de nouveau, le 207. Bonsoir Louis. C'est le grand ou le petit modèle? Ça doit être le petit. Enfin, le grand modèle, il est à l'échelle 1-1. Mais il paraît qu'il est très cher. Et en plus, il flotte pas. Bon, il faut une plaque comme ça. Voilà, on vient de faire le 207. Ouh, fatigué. Allez, 208. On lâche pas l'affaire. Il nous faut deux petites poutres de 4. Deux petits pipions de rond. Et hop. Et quand on arrive à travailler en même temps de la main droite et de la main gauche, on va deux fois plus vite. 209. Il en faut deux. Je compte pas les trucs, mais on a que ces pièces-là. 210. Une autre plaque grise. 211. Il faut encore deux petites poutres de 4. Les pièges chelous là. Les petites briquettes écrasées là, il en faut 8. 6. 7, 8. Et il faut deux petits ronds, deux petits bitonio blancs. Gris, 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 gris. En fait, on fait la même chose mais de l'autre côté. Tac, tac. 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 Et là, on s'écarte de deux et à chaque fois, clac, 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 clac. Et voilà, la 211 est faite. On peut passer à la 212. J'avais vu le, comment, je sais plus comment il s'appelle, le gars un petit peu indolent qui est dans Top Gear, le truc des voitures. À une époque, il faisait des trucs avec des jeux et il avait fait une émission spéciale Lego. Et il voulait reconstruire une maison en Lego. Donc en association avec des, donc 5, il en faut 10. En association avec des associations de jeux de Lego, peut-être même Lego aussi, je me souviens plus. Il avait récupéré, alors c'était tout des briques de 2 sur 4, les briques de base. Les briques de 2 sur 4, ils avaient fait des modules avec des briques plus grosses, pop, 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 pop. Et il avait fini par faire sa maison. Le seul truc, c'est que la production et autres lui ont pas autorisé à mettre le. Il avait voulu faire un étage, un plancher. Et ils lui ont pas autorisé à le faire en Lego. Il a fallu qu'ils le soutiennent, sinon les assurances marchaient pas et sinon il y arrivait presque. Donc ça, on fait ça. On installe ça. Ça. En fait, à chaque fois qu'il y a les grilles, on met les plaques. Et entre les trucs, on met les petits noirs. Le gars, il avait fait aussi, pour ceux qui aiment les trains, il avait fait le plus grand. Alors, je sais pas si c'était dans le Guinness Book, mais il avait relié deux villes avec un train miniature. Du HO. Du HO ou du O? Et il y avait, je sais plus combien, 8 km à faire. Un truc comme ça. Et en fait, ils ont grillé les moteurs. Ils ont grillé les. Ils ont grillé les moteurs des locaux. Ils ont fait un kit de lumière LED pour mettre des lumières dans le bateau en Lego. Enfin, acheter one. Ils sont fous, ils sont fous. Bon, on a fait le 212. On attaque le 213. Il faut 5 petites pierres. C'est des petites pièces triangulaires comme des cales. Il en faut 5 et il faut 10, 10 équerres. Avec des petits trous. Elles sont cheloues ces pièces. Et il en faut 10.
C'est des retours, en fait, ça permet de faire des retours verticaux, ça. Clairement. 10. Alors. On installe ça. Ah, il faut faire un assemblage avec les... Alors, le problème des pièces noires, c'est que... Ah ! Donc, on se retrouve avec... Et puis là, c'est triangulaire. Donc, ça se place... Du coup, comme ça, et ça ferme le petit espace qu'il y a là. Et ils mettent ça sur sur tout le haut. Et le 214, c'est la même chose, mais sur le bas. Tout ça pour faire les hublots des côtés, en fait. Hein. Ah, j'en ai pas pris 10. La mouche, barre-toi. Alors 214, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est des... C'est des petites plaquettes classiques de 2 sur 1. Il en faut 10. Hop, avec toujours 10 de ces petites équerres pour faire un renvoi vertical. Tac tac. 10. Et ça, je pressens qu'il va falloir le faire deux fois. On a presque pu le faire en même temps. Alors, petit montage, on installe des doublons de petites plaquettes. Ah vache, je me suis coincé de la peau. On fait le même truc. On installe dedans les petits retours en équerre. Et on les installe en dessous. Ce qui fait qu'on va avoir des tenons, des briques là. Hop. Les petits sauvages. Voilà, 214 terminé, 215, on vient le monter. Ah oui, il faut le faire deux fois, ouais. J'avais pas vu le deux fois qui était écrit... Allez, voyou. Aïe, 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 aïe. Ah, je me suis trompé.
La deuxième pièce va toujours plus vite, mais ça c'est le plus facile. Le plus pénible c'est d'installer ça. Pourquoi j'ai ces trucs là en plus? J'aurais oublié quelque chose. Capitaine, tu t'entraînes pour le refaire sur Minecraft en 1.18. J'ai les photos de la maison en question, c'est spécial le style. Ouais, tout à fait, hein. C'était plus l'idée de faire une maison où on peut se rentrer dedans en fait et se balader. C'était vraiment très moche, ouais. En plus, il avait pris des briques de toutes les couleurs, hein. Ça faisait du Lego de toutes les couleurs, quoi. Hop, hop. Qu'est-ce que tu fais, bzz, bzz, Fredo? Donc, ce qu'il pourrait y avoir au niveau de Minecraft et du Titanic. Attends. On a juste oublié un petit truc, c'est qu'il faut mettre... Ce qu'il pourrait y avoir, c'est je pourrais refaire une série modée. J'abandonnerai en fait la première que j'avais mis en attente, qui était en 1.7, et j'en referai une. Alors plutôt en 1.16, je pense. Enfin, faut voir comment les choses évoluent. En 1.16 avec Chisel et quelques autres petits mods pour se faciliter la vie, parce que ça serait en survie, bien sûr. Sinon, c'est... J'ai une série créative, je veux pas en faire d'autres. Et il m'en manque deux de ronds. Ah, un là. Un là. Alors, après. On chope ça. On se fait ça. Donc une fois le Titanic fini. Une fois l'emballement terminé sur... sur Rolycube, qui va, vous en doutez, redémarrer bientôt. Hein, vous en doutez. Vous le sentez. Ça frémit, hein, partout, là. Hop, hop. J'espère que je spoil rien. Il m'en manque une. Allez, là. On va se... non, j'y pense. J'y pense fortement. J'ai un petit peu envie. Je suis fou du Titanic, moi. Alors, ce que j'aurais bien aimé, c'était finir la première version. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de rejouer en 1.7. En plus, il faut que je rechange de Java à chaque fois... Déjà pour Amiens 1.14 c'est lourd. Hop. Attendez. Don't panic. J'espère que je mets les pièces dans le bon sens. Voilà. Alors, ça se met où? Ça se met en haut. Ça, c'était le 215 et le 216.
Il s'agit d'aller mettre une plaque ici. Par contre, la plaque noire, je vois pas où elle... il faut mettre une petite plaque noire, mais je vois pas où. Non, ouais, en fait, transférer la map, c'est un boulot énorme. J'ai essayé. J'avais essayé déjà quand c'était en 1.12 et je l'ai pas fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu redémarré Techtopia. C'est une horreur. Ouais, je me suis. À l'aide, je ne vois pas où se met la plaque noire. Ah, elle se met là. Ok. Ce qui peut me permettre de faire le lien en fait. Voilà. Et j'ai une seule petite pièce de rabio ce coup-ci. Bah photo. Et quelle heure il est? 18h10. Haha. J'ai l'impression que le flash se déclenche pas. Ah si, là, il s'est déclenché, là. Schlack. J'espère que vous l'avez pas pris. Pas le récupérer, un message précédent sur Twitch. Ah non. Est-ce qu'on se fait le 8? Est-ce qu'on se fait le paquet 8? Qu'est-ce qui contient le 8? Ce qui fait que demain, ça nous laissera juste le 9, le 10, le 11 et le 12. Ah ouais, ça serait pas mal. Il est 18h10, j'avais dit 18h30 limite, il faudrait qu'on le fasse en 20 minutes. Celui-là, on a mis un peu de temps, hein. Ah, c'est les superstructures. Ah, c'est cool. Oh ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, les gens? Il y a de la piste, il y a de la pièce dorée. On aime ça, la pièce dorée. Alors, on est parti. Il est fou de ce build. Ça doit être une torture d'attendre la live suivante pour build le bateau. C'est chaud, il y a plein de petites pièces. Ouais. C'est vrai que j'avais. Quand j'ai regardé les paquets, j'ai vu que ces grosses-là, celle-là était cachée. C'est. Bah ouais, comme il y a les superstructures, il y a.
Bon, allez, on va bien voir. On va aller une demi-heure. 18h43 max. On va bien voir. Sinon, ça le finira demain. Il faut 2 de 4. Ça, on le met de côté. nos pièces à trous là, qu'on aime bien. Je les étale un peu. Hop. 6 petites pièces, 6 petits dallages de 2 sur 1 Bordeaux. On les aime bien aussi celles-là. Ça doit représenter le bois. Les mêmes mais avec des petits picots. Des petits tenons. Elles sont là. Alors, toi, tu participes pas à la construction. Et puis une triplette plate marron. Hop. Ah, ça s'installe dessus. Directos. Vous voyez le monstre. Bon, bah, c'est parti. Allez. Tac. On continue le grand escalier en fait, hein. Ça fait le grand escalier. Et là. Les petites noires derrière. La grande jaune là, et on vient de faire le 218. Oh, le 219, il est tout doré. Ah, c'est pour faire le liseré sur le bord du bateau. Alors, il faut deux petites plaques comme ça qu'on va mettre juste au bord là. Tac, tac. Et là, on s'en met. Ah. Tac, 9. Donc on vient se raccrocher avec celle qu'on a mis tout à l'heure en traviole. Donc 2, 3. Celle-là, elle tient d'un côté. Celle-là, elle tient des deux côtés. 5. 6. 7. 8. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Et ben la 219, elle est torchée. La 220, on continue l'escalier. Donc il nous faut 4 petites portes marron. Il nous faut oh vache, des quarts de rond bleu. Oh, c'est beau. Alors Lego, il y a quand même de la pièce quoi. Les gars, ils hésitent pas à... Ils sont pas restés, vous savez, je voudrais pas dire du mal d'une certaine société en se disant « Oh non, on va pas mettre trop de variants de blocs et dalles, hein, parce que... » Et là, il faut après des petits trucs accrochés. C'est des petites comme ça. Le nombre de pièces différentes qu'il y a maintenant en Lego par rapport à quand je jouais quand j'étais gosse, c'est de la folie. Et il m'en faut encore une. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Alors.
qui va séparer les chambres. J'ai oublié deux petites plaquettes blanches qui vont faire les lits, je pense. Tac. Et là, je pense qu'il y en aura une aussi ici. Et on finit avec un petit truc accroché sur celui-là. Alors, de l'autre côté, c'est parti pareil. Toc. Un rond. Une porte. Porte. Et le petit crochet. Et le petit bleu. Il s'accroche sur celui qui est là. Avec le... Oh vache. Demain, on aura plus de temps, on regardera avec les ponts, les plans des ponts. Bon, bah c'est fait. 220, c'est fait. Ah non, non, on fait pas tout de suite. Non, non, Phoenix, on finit ce côté-là. On fera l'autre côté fait partie de la deuxième boîte, ouais. Ils ont pas mis de porte au premier étage rouge. Alors, 221. Il faut deux plaques, deux poutres percées. Deux poutres de 6. Deux poutres grises de 16. Non. De 12. Les autres sont de 14. Deux bizarroïdes. Deux jaunes percés. Un carré de 2 sur 2. Mais côté lisse, côté tenon. Ça, on sait ce que c'est. Ça fait les escaliers. Tac, une spéciale comme ça. Une petite normale. Si on peut dire. Et puis deux petits robinets. Tac, tac. Alors ça, on sait comment ça marche. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on va l'installer. Ici, tac, les petits robinets, on les installe ici et ici. Les petits marrons. Et hop, 222. Oula, il nous en faut 16. Donc on s'installe 8 avec un petit jaune dans la première ici. Et en plus après, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah. Hop, et ça nous donne cet effet-là. Formidable. Donc de l'autre côté, on fait pareil.
L'accident industriel. Perte d'une pièce par terre. Le chat qui arrive, il le chope. Mais heureusement, je n'ai pas de chat. J'ai pas de chat parce que j'ai un gros chien. Un gros chien avec beaucoup de poils. Voilà. 223. Alors, une petite plaque carrée jaune. Une plaque... où je l'ai vu, la plaque chelou. Tordue, le Z. La plaque Z. Deux axes bleus. J'allais dire, il n'y en a qu'un. Non, il y en a un deuxième. Et quatre plaques blanches de 2 sur 8. Hop. Et ben c'est parti. La plaque jaune, elle va derrière ici. Et les petits tenons, les petits axes bleus, ils se mettent. Ils tiennent pas. Ah, il y a un sens. Ok. Voilà. 224. Il faut deux plaques beige lisse, deux poutres assez longues de jaune, 10 petites plaques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 4 triplettes, 1, 2, 3 et 4. Alors on installe ça devant. Ouais, enfin. Bâbord et tribord en même temps. Allez. Ça sent le pont. Petit pont promenade, ça. Hein. Ça sent la promenade du matin. À la fraîche. Hop. Et hop. Et les deux jaunes. On les met là. Et ici. Ouais. Oulala, là là, encore un étage. Les fabriquettes. Les triplettes fabriquées à Belleville. Ouais. Hop. On est sur le 225, il faut 6 rouges. Père et manque. Deux fois, deux jaunes et deux grises mixtes, lisses et tenons. On a tout ce qu'il faut. Allez, hop, on repasse par ici. On remet notre fameux truc. Allez, on commence à avoir l'habitude. Encore un étage de plus. Et pour un petit étage de plus, tac, la triplette, tac, tac, la petite doublette. Sur le côté ici et ici. Deux de chaque côté, tac tac.
la 4 devant. Donc les petites jaunes ici et ici. J'ai perdu la grise, le côté lisse sur l'extérieur. Hop. 225 fait. Il faut des grandes blanches comme ça. Pop, 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 pop. Il en faut 4. Des 6 avec tenon. Il en faut une. Des 4 noirs, il en faut 2. Et des mixtes grises, il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 225, pas fini, il manque un bloc. Ah, exact. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, notre petit 226, le petit blanc lisse ici et l'autre dans la foulée. Le blanc derrière les marrons, centré. Avec le 4 noir ici et ici, ce qui fait que ça va faire un trou ici, 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 et l'autre pareil ici, ici et ici. 227. Ouais, je suis un petit peu en mode speedrun là. Donc on va encore se faire un pont. Quelle heure il est? 31. Pas sûr qu'on finisse le sachet. Il reste quoi? 12 minutes. Mais c'est pas grave. Donc encore une brique. Deux lisses blanches. Deux petites... Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Ça sent bon. Deux petites lisses blanches comme ça. Tac. De deux. Une jaune. Deux briques en... Avec un pan coupé à l'envers. Deux haricots. Deux petits bitonios, plac plac, deux dorés, deux bleus, pareil, hein. Un pan coupé en dessous, une marron mixte, deux comme ça. Je fais tout de suite l'escalier. Hein. Je pense qu'il le demande. Ah non, il coupe pas le truc. Ah, c'est marrant. Il veut la jaune avec la marron. Ah, il l'installe derrière. Ah, ça, ça va être pour le grand escalier. Petit pipion jaune doré ici. Jaune doré ici. Le petit blanc sur le jaune. Hop. La brique sur la brique. Un
petit pipion ici, donc un ici, le haricot ici, ici, le bleu vers l'intérieur ici, le petit jaune ici, ici, et le blanc lisse en plein milieu. Ici et ici. On se demande toujours pourquoi. Mais bon, là, on est censé se retrouver en concomitance avec avec lui par ici, hein. Après, ils vont être bout-bout. Ils vont être bout-bout. Hop, hop. Salut Fredo. Il y a tellement de petits jaunes. Alors, on attaque le 228. Oula, il y a de la super pièce. Eh, ça, c'est de la... Si c'est pas de la pièce pour dalle verticale... Hein? Waouh! Il y en a 8 comme ça. Ça commence à s'amenuiser les pièces. Hein. Il en manque une. Elle est là. 8 et 16. Petit bitonio. Les mêmes, mais en 1 sur 1 marron. Donc 4 et 4, 8. Il en faut 16. Encore un groupe de 4. Et encore un groupe de 4. 4 x 4, ça fait 16. Alors, on les installe comment, ces tchoupioupioupioula? Il faut faire des montages. Là-dessus, côté du truc, on installe... Merci J1 pour le cadeau que t'as fait à Fredo. Ça, c'est même de la pièce chez Giselle. Ouais. Et salut à toi Fredo du 62. Et merci J1. Ouais, t'as pas le droit. T'es un voyou. La petite fille, elle est là. Elle fait des bêtises. On lève la voix. Elle demande si elle peut, si elle doit aller au coin. Alors là, elle nous fait craquer, ma pauvre chérie, mais non. On te dit juste un peu fortement qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu as fait et que ça fait 3 fois qu'on te le dit. C'est chez sa nounou que elle se retrouve au coin. Quand elle fait des grosses bêtises. Du coup, chez ses parents aussi. Mais les grands-parents, c'est pas fait pour mettre les gosses, les petits-enfants au coin. Bon, des fois ils sont quand même pénibles. Faut le faire 8 fois ça. Ah ouais, faut le faire 8 fois. Hop. J'espère que je l'ai fait dans le bon sens parce que 8 fois c'est limite pénible. Hop, hop. Et là, on accroche ça comment alors? On les accroche dans les grilles en fait. Vers l'extérieur. Donc ça va faire un truc spécial, hein. Moi je vous le dis tout de suite les gars, ça va faire un truc spécial. En fait c'est le dessus de la promenade. Non? De 129, on a le temps de le faire. Ouais, on est dans les temps.
Les chaloupes, c'est pont. C'est le pont des embarcations, c'est tout en haut. Tout en haut. Normalement, on n'y est pas encore. Alfredo avec le papy qui leur dit plein de bêtises. Bah non, le papy. Ah, le coin, c'est pas le au coin, c'est pas au coin du feu, hein. Alors, il faut deux petits pipions comme ça, deux grises, une plaque marron, deux poutres marron de 6, deux petites portes marron, deux plaques quête de 2 sur 1 marron et deux trompettes. Sais pas comment appeler ça. Doré. Alors, les deux. Bon, les petites dorées, c'est facile, c'est toujours là. C'est pour l'escalier. La marron, elle va là. Les poutres, elles vont ici. Et ici. Les petites portes vont là. Oh, j'ai dû me tromper là. Il reste les grises à mettre en écart sur le bleu. Et sur le jaune. Et voilà. Cent trente. Ah, c'est ça le problème du feu, c'est le bois. Sinon, le feu c'est super agréable. Mais couper le bois, enfin, c'est toute la préparation du bois. Tac, tac, et trois fois jaune. Hop, allez, on en réinstalle un. Ici, un jaune ici, un blanc là, un blanc là, et le petit jaune ici et ici. Après, c'est pas la saison du petit jaune. 231, 18h42, 18h43, on est censé avoir fini. Mais on n'est pas très très loin quand on regarde le tas de pièces qui restent. Hein. Regardez, il reste pas grand-chose comme pièces. Ce serait dommage, peut-être. Hein. Je sais pas. On va regarder, on va déjà faire ça. Ça va déjà en éliminer un petit peu plus encore. Hop, deux triplettes blanches. Tac, tac, tac. Et après, plein de vertes choubidoubidou. Des triplettes plates. 10 avec des mognons là. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et redis ici. Plac, 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 plac. Et 6 de 1 sur 1. Ça sent le carrelage. Moi, je dis ça sent le carrelage. Alors. La plaque. Les deux triplettes. Les deux triplettes, ils vont les mettre. Ils ont l'air de les mettre là. Tac. Tac. Ils mettent un petit 1
de chaque côté, ici, ici, et donc j'ai la marron derrière. Tchac. Du coup là j'ai pop, 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 pop. Et après on a un on est en quinconce. Tac. Tac. Ça me rappelle le carrelage. Il va falloir que je refasse du carrelage là. Rien que d'y penser, je préfère faire des Lego. Au moins chez Caro, ils tiennent tout seuls. Hop. 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 232. Bon, on a 18h44, on a dépassé l'heure, mais il reste pas grand chose. On fait un petit coup de. Cool, 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 cool. Alors, ouais, ça aurait été dommage de pas les faire. On en a 6 comme ça. Ouf, j'ai eu peur. On n'a pas encore eu de problème jusqu'alors. Ce serait dommage. 2 comme ça. 2 petits dorés et 8 petits oh vache 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 vache, huit quarts de cercle. Oh là 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 là. Ah, c'est pour faire les tables. Oh, formidable. Regardez-moi ça. C'est formidable. Donc le blanc se met là. Ça, c'était le 232. Le 233. Il faut faire des petits montages. 4 fois. À partir de plaques bleues. Oula, attends, c'est plus compliqué que ça. Il faut une petite blanche. Une petite transparente. Là-dessus, on met un petit truc comme ça. On remet un petit truc blanc. On remet un petit truc transparent. On remet un petit truc blanc. Petit truc transparent. Un petit. Petit truc transparent. Il faut le faire 4 fois. Formidable. Et. Lisse à la fin et on le scotch bloc ici. Bon, maintenant qu'on a le modèle, ça va aller plus vite. Enfin, on espère. Tac. Évidemment, je mets mes gros doigts devant, alors vous voyez pas trop, mais c'est ça le modèle. Donc on intercale
Des petits trucs transparents. Des briques tenons. Transparent. Blanc. Transparent. Blanc. Lisse. Et tac. Top. La concentration du Z est extrême. La dernière pièce a été mal engagée. Et c'est encore une nouvelle pièce réussie par le joueur français. Hop. Oula. Que ça soit bien plat. Alors. Une. Et deux. Et 3. Et 1. Et 2. Et 3. La dernière est hyper dure à faire. Je suis au bord de l'épuisement. Est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout ? La pression est énorme. Oui ! Salut Big Ben. Salut Grenet. On sent le stress du speedrunner. Alors, ça se met comment ça ? Ça se met à l'intérieur ici. Ah vache. Oh là 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 là. Faudrait qu'il fasse l'autofocus. Donc vous avez vu, c'est comme ça. Donc là. Donc on le met comme ça. Et l'autre. Comme ça. Voyons, ça va pas tenir ça. Ils sont fous les gars. Ah si, 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 faut les coincer dedans. Ah. Parce que derrière, il y a les petites briques blanches. Enfin. Il faut les mettre de chaque côté. Ah, j'ai cassé un truc. Ah, ça c'est pas solide, monsieur. Monsieur Lego, votre poutre là. Ça ne va pas du tout. Alors, le petit blanc vers l'avant. Hop. Mais c'est génial. Putain, l'effet que ça donne. Waouh. Et 234e et dernière page. Mais appuie, Kitty J. What? Je veux pas le casser. Arrête, je veux pas le casser. Alors, il faut deux petites comme ça. Il faut 6 blanches. Et ça tombe bien, il en reste 6. Il faut deux trucs blancs comme ça. Il en faut 6. Tac, tac, tac. Il y en a une de trop. Il y a une jaune de trop. Il y a une rouge de trop, il y a une bleue de trop. Deux noirs. Hop. J'ai 4 pièces de trop là. Donc. Il faut faire encore un petit montage. Hop. Blanc, transparent. Ah. Deux fois. On refait la même.
Top. Une transparente dessus. Un petit blanc. Rune transparente. Rune blanche. Une lisse. Et on installe ça sur le petit noir. Ok, Drake. Alors, blanche sur transparent. Le petit pipion. Rien n'est droit, c'est pas grave. On utilise la table. Oula, je sais pas. Pour appuyer. Dessus, on met un transparent. Ah, un blanc. Un transparent. Un blanc. Un lisse. On met la petite noire dessus. Et on vient mettre ça en bout. Oh, formidable. Un paquet 8 terminé. Bah, une petite photo, hein. 16h50, non, 18h55. C'est superbe. Vous l'avez en vue du dessus. Va falloir que je trouve un moyen pour faire des vues. Mais je vais pas refaire mon travelling, J1, il va se moquer de moi. Des fois il se moque quand même un petit peu, hein. Et pas très... Hop, là 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 là. Hop. Bon, et ben donc demain on peut s'attaquer le 9. 9, 10, 11, 12. On commence à 14h. Je sais pas si on fera les 4 paquets parce que c'est. C'est chaud, chaud, chaud. Mais après ça, on se fera du FTP. Donc la plaque est assez grande. La plaque est assez grande pour un module. Pour les 3 modules, j'ai une autre plaque qu'il faudra que je remonte. Elle ne fait pas 1m35 cette plaque. En fait, putain, la scène blabla, elle est où? Vous n'y avez pas vu la première. Donc le devant. Donc là, elle n'est pas complètement finie, hein. Mais il y a le dessus qui est fait avec les grues. La petite grue pour la troisième ancre. Et les petites grues pour les écoutilles. Pop, pop, pop. Et puis là, la coupe. Avec le dernier étage salon là.
hop, hop, hop. Demain, on regardera un petit peu à quoi ça correspond un petit peu tous ces étages. Je sortirai les plans. On fera peut-être pas le... On le finira peut-être pas complètement en entier. Mais on en fera une... On en fera une bonne partie. On essaiera de faire au moins 3 sachets. Facile. Un sachet pour une... avec une heure. Ça fait 3 heures. Enfin, on verra. On verra. Soit on fait... après, on fait du FTP. On finit avec du Lego, je sais pas. On fera peut-être des petits sondages à un moment donné. Vous avez marre du Lego, on fait un petit peu de FTP. Vous avez marre d'FTP, on fait un petit peu de Lego. On verra bien. Donc, ouais, bonne soirée Ubis et bon appétit. Et bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve donc demain, 14h, pour la suite de la construction du Titanic. Donc en Duplo senior, c'est-à-dire en Lego, quoi. Parce que Duplo normal, c'est pour les juniors. C'est pour les moins de 18 ans.